Avant que la vidéo commence, je fais une publicité, comme d'habitude, pour mon ami Trillionaire Prono. Il vient d'ouvrir son site internet, alléluia, c'est www.trillionnaireprono.fr. Je vous mets le ticket gagnant et juste à côté, je vous mets les résultats pour que vous voyez combien j'ai gagné. Merci Trillionnaire Prono, tu fais du bon travail. Pour parler de foot et pour rester dans l'actualité, sachez que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, qui est une application complètement gratuite sur ce qui concerne tout l'univers du foot. C'est l'application numéro 1 mondiale. Il y a toutes les informations en temps réel sur l'Olympique de Marseille. Voilà, il y a les transferts, il y a les buts marqués, il y a les rumeurs, il y a absolument tout. Je vous conseille vraiment, si vous êtes fan de football, de télécharger cette application. Elle est entièrement gratuite, je mets le lien dans la description. Et franchement, ça vaut le coup parce que c'est vraiment un truc, voilà, il y a tout. Il y a tout sur la Ligue 1, il y a Rennes qui s'impose face à Bordeaux. Enfin, voilà, là, il y a tout, le mercato, il y a absolument tout. Si vous aimez le foot, c'est gratuit, n'hésitez pas à la télécharger. Maintenant, on peut passer à la vidéo. Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Sachant que c'est l'été, qu'il fait chaud et que de plus en plus d'animaux sont abandonnés sur les bords des routes, j'ai décidé d'aller et de traquer le bon coin pour voir les annonces qui s'y traînaient. J'ai donc vu plusieurs annonces de personnes donnant leurs chiens pour des causes pas trop expliquées, mais il y a une annonce qui a retenu mon attention parce que le monsieur a mis en titre: je donne mon chien pour cause de départ en vacances. J'ai donc appelé ce monsieur pour en savoir plus, pour essayer de lui donner rendez-vous et de savoir l'endroit où il habitait. Étant donné que donner son animal pour partir en vacances n'est pas quelque chose de normal, j'ai appelé ce monsieur, j'ai donné un faux rendez-vous, vous comprendrez pourquoi à la suite de cette vidéo, et je vous laisse regarder cette vidéo dans son intégralité pour comprendre ce qui s'est réellement passé. J'ai trouvé un numéro sur le bon coin d'une personne qui donne son chien pour cause de départ en vacances. C'est écrit clairement dans le titre. Je vais essayer de donner rendez-vous la veille de son départ en vacances, justement pour lui faire croire qu'on va y aller, pour faire croire qu'on veut adopter le chien, qu'on veut l'acheter ou qu'on veut le prendre. Au dernier moment, nous irons pas à son rendez-vous, tout simplement pour être sûr qu'il garde le chien et pour voir ce qu'il va en faire. Un mec qui donne son chien pour partir en vacances, je trouve pas ça normal. Donc je pense que le mec, il aime pas trop son chien, et c'est ce qui me laisse penser qu'il est prêt à l'abandonner pour partir en vacances. Il est prêt à tout partir en vacances. Réponds. Oui, c'est bon, je vous entendais. Voilà, je vous appelle pour l'annonce que vous avez mis sur le bon coin concernant le chien. Oui. Il est toujours disponible? Oui, bien sûr, il est toujours disponible. Vous le donnez pour parce que vous partez en vacances, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui vous... Et qu'est-ce qui vous empêche de prendre le chien avec vous en vacances? C'est compliqué, vu que je dois prendre l'avion dans 2 jours. Dans 2 jours. Est-ce qu'on peut venir la veille de votre départ en vacances? Oui, vous pouvez venir la veille de la veille, si vous voulez. Vous avez une adresse à me communiquer pour qu'on puisse venir? Oui. D'accord, ok. Comment prenez? Ah oui, moi normalement, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, parce que sinon, moi je vais être emmerdé hein, par rapport à l'agence de compagnie et tout. Donc, les gens, comprenez. Vers 20h, ça vous va? C'est pas trop tard pour vous? Très bien. Non, mais ça me va très bien. D'accord, ok, bah écoutez, on fait ça alors. Comme vous venez de le constater, la personne vient de me donner son adresse. Donc on va s'y rendre, mais on va pas s'y rendre pour voir le chien. On va s'y rendre le jour de son départ en vacances. On verra s'il a pas laissé dans l'appart, on verra s'il veut pas l'emmener quelque part, s'il veut pas l'abandonner, s'il amène pas l'espèce. Je veux absolument voir ce qu'il fait avec le chien pour que le lendemain il se retrouve avec le chien sur les bras et pour voir ce qu'il va en faire. La personne en question, elle est censée habiter dans cet immeuble. Voilà. On s'est mis en retrait, on est vraiment loin. Hein, là, j'ai zoomé à fond pour qu'on voie à peu près la porte. Et s'il sort, on le suivra en voiture discrètement pour voir ce qu'il fait. Tu as allumé la caméra, c'est bon? C'est lui avec le chien. Oui, on le suit de loin. On est en train de le suivre, on va pas trop le coller parce que si on le colle, il va comprendre qu'on est en train de le suivre. Il a l'air de partir dans un endroit. C'est pas le sens de l'autoroute, ça. Voilà. Tiens, ça freine. Qu'est-ce qu'il fait? Il se gare. Ok. Essaye de le filmer par derrière. On va pas se garer là parce que sinon, ça fait choquer. Il vient de se garer. Il est parti à pied avec le chien. À mon avis, sa cousine ou sa soeur ou là où il va en vacances, c'est pas ici. Fais attention. Là, gros, c'est pas bon du tout ce qu'il est en train de faire. Voilà, il attache le chien. Vas-y, on y va. Go. Bonjour.
Bonjour, allô, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Non, je le laisse là. Pourquoi? Je le laisse là. Et pourquoi vous le laissez là? Non, parce que je vais aller chez moi sur le terrain de course. Là. Sur le bon coin. Mais dis pas non, s'il te plaît. Oui. Mais dis pas non, oui. Merci. Tu t'es prêt à le laisser là, c'est ça? Non, mais vite fait là, parce que je vais. Attends, tu pars en vacances, oui ou non? On t'a vu partir avec ouais, une valise, tu pars en vacances? Ouais, je pars en vacances, mais attends, Où? Chez ta soeur, chez qui? Je vais chez ma soeur, mais je laisse pas beaucoup de temps, parce que ma soeur elle veut pas en fait. Tu laisses pas beaucoup de temps, c'est-à-dire tu laisses pas beaucoup de temps? Pas beaucoup de temps, peut-être une semaine. Arrête. Tu es en train de me dire s'il pleut, le chien il peut boire? Ouais. Et il mange quoi? La terre? Le chien il boit l'eau de la pluie, c'est ça? Ouais. Et il mange la terre? Ouais, il peut chasser. Pour filmer. Parce qu'en fait, on fait des expériences sociales. On fait des vidéos sur des gens comme toi. On fait des vidéos sur des gens comme toi. Ouais, on va lever la caméra là. C'est mon chien. Et c'est quoi, c'est ton chien? Tu fais ce que tu veux? Ouais, mais je fais ce que je veux. C'est mon chien. Barrez-vous, non? Non. Tu es malade, toi. Tu veux que. Tu me fous, frère. C'est ton chien. Mais ça... Alors, déjà, je te rassure, ça va plus être ton chien, frère. Ouais, mais c'est mon chien. C'est moi, je l'ai acheté. Je l'ai vacciné. C'est toi qui l'abandonnes là. Ouais, mais ça, là, tu l'abandonnes. Ouais, mais ça, c'est mon problème, ça. Je l'abandonne pas. Je reviens dans une semaine. Tu l'abandonnes, t'en as une semaine. Non, je l'abandonne pas, il va crever. Le chien, mon gars, il va pas crever. Tu me ta gueule, arrête. Comment ça? Tu me tu sais que c'est de la cruauté. Mais sûr, personne ne va le voir. C'est de la maltraitance animale. C'est la cruauté. Y'a personne qui va le voir. Dans une semaine, plus personne ne le verra. C'est sûr, ce sera un bout de squelette, c'est sûr. Non, quand même pas. Mais quand même pas de quoi, gros? J'ai comme il est petit, le chien, il déconne pas. Tu crois que quoi? Il est pas petit. Tu réalises pas en fait. Pendant une semaine, accroché à un arbre, ça va? Ouais, ça va, normal. Et tu survis, toi? Ouais, normal. Là, c'est que de moi, ouais. Là, ce que tu es en train de faire, je te ferai la même chose, je prendrai ici, là, tu vois, je t'attacherai à toi, je te laisserai ici. Ouais, mais vas-y, essaye. Ne me dis pas, essaye. Ne me dis pas, essaye. Ouais, mais c'est mon chien. Je l'ai filmé, je peux pas. Je l'ai pris comme ça, parce que... Mais pourquoi tu as pris un chien, si pour partir en vacances et pas t'en occuper, en fait? Hein? Pourquoi tu as pris un chien? Allô? Ouais. Pourquoi tu as pris un chien, si tu peux pas t'en occuper? Bah, parce que j'ai pas laissé quand tu es en vacances. Tout seul. Ma copine m'a laissé, j'ai pris un chien, je m'en fous. Tu as pris un chien pour ta copine? Non, j'ai pris un chien pour moi. Parce que je suis seul. Oh, le pauvre, il en manque d'affection. Oh, mais non, attends, mais qu'est-ce que vous allez vous mêler dans mes affaires? C'est mon chien, parce que Tu as vu, là, on t'a filmé de A à Z. Ouais. On a ton numéro de téléphone, ta plaque d'immatriculation, ton adresse, vu que tu nous as donné ton adresse avant-hier pour qu'on vienne voir le chien. Voilà tout. Et alors, si tu veux, on peut aller porter plainte. Donc, moi, ce que je te conseille, parce que là, je suis en train de m'énerver. Ah oui, tu vas pas montrer ton visage, là. Mais ça dépend de toi, en fait. J'ai pas montré ton visage, mais ça dépend de toi. C'est un chien, on s'en fout des chiens. Mais ce là, barrez-vous, les gars, ça va rien, là. Si tu veux donner le chien, il y a des SPA, il y a des familles d'accueil. Non, mais je veux garder le chien. Mais tu peux pas le garder si tu pars en vacances, frérot. Un chien, c'est pas un objet. Non, tu peux pas laisser un chien ici et dire je reviens dans une semaine le chercher. C'est ahurissant ce que tu es en train de me dire. Non, c'est pas possible. Tu vas venir avec nous. Ouais. Tu vas monter avec nous en voiture. On va t'amener. La SPA la plus proche. D'accord. Je pense que c'est le meilleur à faire dans ta situation de merde. On t'amène à la SPA la plus proche, ok. Et une fois qu'on est arrivé à la SPA, je fais donation du chien. Non, mais il veut garder le chien. Tu peux pas. C'est pas possible. C'est soit. Il comprend pas, putain, tu es en train de m'énerver. C'est soit le chien. Tu le reviens dans une semaine, c'est ça, le chien, tu le laisses là. Arrête de crier, commence pas. Passe pas le temps, s'il te plaît. Tu vas le donner, le chien. Et après, moi, je vais faire en sorte que toi, tu puisses plus adopter de chien ou prendre des chiens de ta vie. Tu le laisses, c'est mon chien. Je peux rien faire du tout. Mais c'est mon chien à moi, tu le laisses. C'est le chien, mais maintenant c'est plus le chien. Ah, mais moi, je porte plein pour vous. Viens, prends le chien. Lâche-moi, aller. Non, mais tu viens avec nous, non, mais laisse-moi. Tu viens avec nous, sinon on y va seul. Non, mais laisse-moi. Toi, tu viens avec nous, sinon on y va seul. Ah, ben vous allez seul. Eh ben, y'a pas de problème, mais on va montrer. On va dire qu'il tient au flic. Non, mais je veux pas de problème. Tu as pas de chien. Allez, y'a pas de chien. Hein? Ça, je fous ton visage. Écoute-moi bien. Je fous ton visage uniquement si tu viens. Si tu viens pas avec nous, ton visage, frère, je le mets sur internet, je le dévoile à tout le monde. On va donner le chien à la SPA. Et si monsieur va venir avec toi, donner le chien? Si, mais tu verras qu'il. Sûr qu'on va le donner. Mais tu crois que t'as pas le choix en fait? Ouais, mais là c'est pas grave, la SPA. Mais si, c'est là. Mais non, c'est pas grave, là, je connais. Je suis pas de côté. Mais là, on va à la SPA d'urgence. Allez, sors de la voiture. Non, mais je vais pas. On est venu ici, il n'y a ni famille d'accueil, ni SPA. Vu que tu connais pas, on va faire exactement comme t'as fait au chien. Mais c'est quoi, j'ai dans la voiture? Non. On va te laisser ici, on va pas t'attacher parce que tu vois, t'as la chance qu'on est filmé, on va pas t'attacher. Par contre, on va te laisser ici. Déjà, je suis gentil, je te laisse pas en plein milieu du désert, frère, je t'attache pas. Je t'ai servi de taxi pendant un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes à pied, c'est équivalent à 2-3 heures de marche. Moi, perso, ça me fait ni chaud ni froid. Maintenant, tu as la place du chien. Là, t'as la place du chien. Ouais, mais c'est pas pareil, le chien ne parle pas, frère. Et c'est quoi la différence? Parce qu'un chien, il parle pas, alors ça y est. C'est un être humain. Des fois, je suis habillé. Tu me donnes de l'argent? Ouais. Combien? Pas combien tu veux. Tu as 50 euros sur toi?
Ouais, faut que je retire. Faut que tu ailles retirer? Ouais. Ben non, j'ai pas envie. A bientôt! Ah, mais j'ai le professeur. Si. Si. Si, si. Bah, arrête. Ciao, frérot. A bientôt. Cours. Ciao, le sang. Ciao, à bientôt. Allez, ya. Au moins, tu comprends ce que c'est, Bordi. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis en compagnie de Mister Valentin, a.k.a. Lobby Fun du 13. Je sais pas pourquoi il s'appelle Lobby Fun du 13, mais il s'appelle Lobby Fun du 13. Pour revenir sur le point sensible de la vidéo, vous avez bien vu que la personne avait l'intention d'abandonner son chien. Hein. On est arrivé vraiment sur le coup, on est arrivé à temps parce qu'il était en train d'attacher le chien et il serait parti. Donc, effectivement, mon intuition ne m'a pas trompé et je savais que cette personne-là allait se débarrasser d'une manière ou d'une autre de son chien. Je trouve que ce qui lui est arrivé, ce qu'on lui a fait, je pense que c'est minime, contrairement à ce que j'aurais voulu faire. Parce que si c'est que de moi, je le mets dans un endroit paumé, je l'attache et je le laisse. Non mais c'est vrai, tu vois. C'est ce qu'il aurait mérité. On va faire en sorte de montrer les images au commissariat. On va faire en sorte que ce monsieur ne puisse plus jamais adopter ni acheter d'animal de toute sa vie. Sachez que si vous achetez un animal, c'est une responsabilité. C'est comme un enfant. Si vous n'êtes pas capable d'assumer, de vous occuper correctement de votre animal, n'en achetez pas sur un coup de tête. C'est vraiment une décision qui se prend pas à la légère, voilà. Si vous voyez le taux de chiens abandonnés à la SPA, je pense que ça vous ferait prendre conscience du nombre d'abandons qu'il y a chaque année et surtout l'été. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à nous rajouter sur Snapchat, c'est Camoff, ça s'écrit C-A-M-O-F-F. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur ce réseau et je vous en remercie. Pour tout ce qui concerne les vêtements Camoff, si vous aimez nos t-shirts, si vous aimez nos casquettes, si vous aimez notre marque tout simplement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Il y a des vêtements pour enfants, des vêtements pour femmes, pour hommes, il y a vraiment un peu de tout. Vous êtes également de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. À l'heure actuelle, on est pratiquement 280 000 abonnés. On va vers les 300 000, pourquoi pas aller à 1 million d'ici quelques temps. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez vraiment aider, si vous voulez vraiment faire du bien autour de vous pour les animaux, n'hésitez pas à vous rendre à la SPA la plus proche de chez vous. Peu importe l'endroit où vous habitez, il y a des SPA et vous pouvez y aller en tant que bénévole. Les chiens ont aussi besoin d'avoir une présence humaine, d'être sortis, tout ça. Et sachez que la SPA recrute des bénévoles pour ce genre d'action. Pour ce qui nous concerne, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo qui sera peut-être une expérience sociale, peut-être un piège, peut-être un prank, j'en ai aucune idée. Mais on se retrouve dans tous les cas mercredi prochain à 18h au même endroit. Merci de nous avoir regardé, c'était Camoff et à la prochaine. Ciao! Je suis le Bambi, je suis le Bambi, je suis le Bambi de Fortnite. Je suis le Bambi, je suis le Bambi, pourtant je joue toute la night. Quand je mets mes bandages, je mets pas de mur autour de moi. Du coup on me tire dessus et ça fait très très mal. Mais c'est pas très très grave car mes potes me donnent des potions. Mais je suis pas d'une grande aide, j'ai pas loot les munitions.